c'est Léa. Et lui, c'est Pilou, mon doudou. Oui, il est un peu grand. Nous allons vous présenter le centre Antoine Lacassagne. C'est le meilleur endroit pour soigner les enfants. Elle, c'est Claudie. Coucou, Andrea. Bonjour, Andrea. Il est italien. Claudie, elle est trop gentille. J'aimerais bien qu'un jour elle devienne ma maîtresse. Elle explique tellement bien les différentes étapes. Le parcours à suivre au fil des semaines de traitement, que même Pilou a tout compris. D'abord, il y a le masque. Non, Pilou, pas comme celui-là. C'est un masque en plastique créé par les manipulateurs pour que tu sois toujours placé de la même façon dans la machine choisie pour ton traitement. Il est placé dans l'eau chaude et quand il est bien ramolli, on l'applique pour qu'il vienne prendre la forme exacte de ton visage. Avec lui, tu pourras rester bien immobile, comme Louis, regardez. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Le masque, on peut même le décorer avec Claudie. Louis, son masque, c'est celui d'un super-héros qui vole. Mais on n'a pas toujours besoin de masque. Si la maladie se trouve ailleurs que dans la tête, les manipulateurs te feront des petits tatouages. Non, Pilou, pas ce genre de tatouage. Simplement, des petits points qui vont aider les manipulateurs à positionner Andrea tous les jours de la même façon. Ensuite, il y a le scanner. Le scanner permet d'explorer notre corps de l'intérieur et d'en obtenir une image. On appelle cette image un modèle. Ce modèle permet aux médecins de savoir exactement où les cellules malades se cachent. Une fois toutes les images réalisées, les physiciens et les médecins travaillent ensemble. Le traitement pour faire partir ces cellules est bientôt prêt. Grâce à ces informations, les physiciens et les dosimétristes ont un plan. Mieux, un super plan! C'est comme ça qu'on l'appelle pour combattre la maladie. C'est enfin le moment de traiter la maladie avec les séances de radiothérapie. Comment ça se passe? Toujours de la même façon. Une fois arrivé, on pose ses affaires. On n'oublie pas de prendre son masque de super-héros et ensuite, on s'installe sur la table de radiothérapie. Maintenant, la séance va commencer. Bien sûr, on peut rester avec son doudou. On n'est jamais seul pendant les séances. La famille et les manipulateurs sont juste à côté. Ce qui est bien, c'est qu'on ne sent rien. Et pendant ce temps-là, au fil des semaines, la maladie disparaît. C'est la fin du traitement.